soignez-nous. Mais est-ce qu'elle a pas méga assurée? Ah ouais. Non, attendez, il faut pas que je vous, faut pas que je vous influence. On va tous donner notre avis, hein, bien sûr, en plateau. Est-ce qu'on a trouvé Enel génial? Est-ce qu'on a été convaincu par le projet? Est-ce qu'on n'est pas convaincu? Oh là, ça y est, Nivek, ça y est, il est déjà parti. Vas-y, shoot, shoot, parce que Nivek, il est parti. C'est bon. On est sur des méga cœurs, hein, bien sûr. Personne ne se trouve dubitatif comme ça. Pourtant, je sais que tu l'aimes bien, celui-là, Nivek. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, Pauline, dans le projet? J'aime bien le projet animation. C'est vrai que j'ai dans ma famille des gens qui ont fait de l'animation, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mmh. Et de l'associer au jazz, que j'aime beaucoup, je suis curieuse de voir ce que ça donne et si ça peut vous permettre de décoller, c'est encore plus génial. Ouais. Et toi, Ronini, alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet ? Eh ben, la musique qu'on a entendue déjà tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que le jazz, ça s'apprête comme ça à la cinématographie. Et comme tu le disais, on imagine tout de suite le clip, on imagine tout de suite le chat sur le toit. C'est hyper visuel. L'animation, ça coûte de l'argent. Et c'est quand on a une idée, on a envie de pouvoir la concrétiser, d'aller au bout. J'imagine que vous n'avez pas envie d'avoir à moitié clip juste d'animation. Un petit bout de chat. Non. Et puis là, quand même, Fabrice Luang-de-Vigia a quand même eu un César en 2017. Les premiers. Dingue, ouais. Ah oui, c'est une vraie chance. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est que quand on a contacté différents studios de production, lui avait déjà plusieurs projets sur les chats. Ce qui fait qu'au niveau du budget, ça a pu rentrer dans notre enveloppe. Mais vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'alignement des étoiles. Je crois aussi. C'est vraiment J'y ça. J'y crois aussi. Et puis en fait, que ça lui ait parlé, que votre univers musical ait parlé justement avec son univers visuel à lui, ça c'est intéressant. Un petit point sur les chiffres, Madame Chiffre, aujourd'hui. Vous en êtes à 55% de la caisse de participation. Ça fait 1 925 € collectés. Il reste un peu moins de 10 jours aujourd'hui. Il reste 8 jours pour participer. On est déjà sur le bon chemin. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir remobiliser les gens comme ça, parce que vous avez déjà, je crois, autofinancé le disque. Oui. Là, on est dans un autre projet et on a besoin des gens pour prendre corps. Qu'est-ce qui vous mobilise, vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de partager votre univers de musique? À un moment donné, on peut plus, comment dire, chanter dans sa salle de bain, donner des cours de chant à des gens sans à un moment donné se frotter aussi au fait d'être sur le devant de la scène. Et puis là, concernant mon histoire, c'est aussi un alignement des étoiles. C'est qu'à un moment donné, alors certes, il est un peu tardif, je dois le reconnaître, mais tardif est un très joli mot, vous savez. le fait est que là, c'est un vrai chemin, voilà. Et c'est extraordinaire qu'il puisse se concrétiser et se représenter de façon aussi merveilleuse, parce que l'univers des studios Fargo est vraiment magique. On peut peut-être vous soutenir aussi, alors, en donnant des sous et aussi en achetant l'album. On peut le trouver où? Absolument. Alors, l'album, vous le trouverez en vente directe sur le site Enel et Pascal. Enel et Pascal. Le pauvre Pascal, en plus, il est amboisien. Il n'est même pas chinonais. Oui, mais on ne va pas lui en vouloir. Il est de la région. Personne n'est parfait, bien entendu. Merci, Enel. Vous avez été brillantissime dans ce pitching ball. Vraiment, de l'humour, une jolie voix. Tout va bien. On n'a besoin que de vous, les amis. Même 1 euro, même 5 euros, ce que vous voulez, ce que vous pouvez donner. Le chat sur le toit, le projet est sur Ulule. Et puis, TV Tour, vous le savez, c'est 200 000 téléspectateurs par semaine. Alors, si vous aussi, comme Enel, vous voulez venir présenter votre projet dans le pitching ball, envoyez-nous un mail à tilt@tvtour.fr. We'll be right back.